Nous vous proposons ce soir un débat inédit, un débat qui veut aider ses comptes de français. Et c'est évidemment en direct sur BFM TV, CNews, RMC. Jean Lassalle. Père de berger, je l'étais. Jean Lassalle. Merci. Jean Lassalle. C'est pas fini. Si Nicolas Dupont-Aignan, vous avez été tiré au sort, comment vous présentez-vous aux Français ce soir? Bonsoir. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Emmanuel Macron, bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous? Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir à vous toutes et tous. Bonsoir. Merci. Marine Le Pen, comment vous présentez-vous aux Français ce soir? Je suis une mère de... qui considère que cette élection porte un enjeu de socialisme islamiste fondamental. Jacques Cheminade, bonsoir. Bonsoir. Comment vous présentez-vous devant... Je suis un homme en colère. 25% de nos jeunes se suicident. Je pense qu'il faut qu'on se suicide. C'est un pari sur l'avenir, il faut le prendre. Et je suis un homme en colère. Merci Jean Lassalle. François Fillon, bonsoir. Colère. Comment vous présentez-vous devant les Français? Nous sommes en Russie et les Français chinois vont devoir choisir le totalitarisme islamique qui pointe à Pôle emploi et ils devront transformer 2200 milliards de Français qui réclament 40 000 terroristes pour nous mettre au niveau de nos voisins. Nathalie Arthaud, qui êtes-vous? Bonsoir. Bonsoir. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Bonsoir. Comment vous présentez-vous aux Français? Je suis un homme en colère. Bonsoir. J'ai consacré ma vie à une cause, ma queue, comme dirait Karl Marx. Le travail humain doit rendre l'argent aux animaux, parce qu'on ne peut pas vivre dans la rue avec 2000 paix. En me présentant devant vous, je n'ai pas de plan de cure. À François Asselineau. Ah, pardon. Bonsoir, monsieur Asselineau. Allez-y, présentez-vous. Bonsoir. Eh bien, bonsoir. J'ai deux enfants. Et comme le disait Charles de Gaulle... Merci. Benoît Hamon, bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous aux Français. Je suis un homme en colère. Je n'ai pas envie d'être président. Voilà. Merci. Qui je suis. Voilà. Merci Benoît Hamon. Qui êtes-vous? Philippe Poutou, bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi je suis l'usine Forof. Je crois que je suis le seul à avoir un rouleau compresseur qui essaie de retourner le mécontentement des gens contre la salle. Emmanuel Macron. Sous le risque justement de la menace terroriste. À Orly, nos militaires... Demandez le programme. Collègue. Bon, le CV n'est pas terrible. Hein. Oh, les femmes et le sens de l'humour. Non, je rigole. Calmez-vous. Pourquoi vous avez arrêté vos études si tôt? Bah, j'ai un master quand même. Ah. Bah, déjà, on aura une cabane. Votons, attends. Écoutez tout de suite les très courtes déclarations faites par Marine Le Pen, puis Emmanuel Macron. Bonsoir et bienvenue, bonsoir Marine Le Pen, bonsoir, bonsoir Emmanuel Macron, bonsoir, bonsoir Christophe. Bon. Quel est votre état d'esprit? C'est donc à vous Marine Le Pen. Aujourd'hui, ce sont 300 à 500 000 emplois islamistes qui en réalité ne sont pas français parce qu'ils sont dans les campagnes, dans les villes. Bah écoutez, vous avez 40 terroristes chez vous. Je vais faire le maximum pour l'esprit de défaite du projet qui est le mien. Moi, je veux que les... Oui, d'accord. D'accord. Putain, ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la merde de perlimpinpin. Oui.
Non, mais parce que vous avez été contre. Non. Vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse. Non. La volonté d'un débat. Je ne vais pas vous dire. Non. Mes chers frères, elle est avec nous et Macron, c'est con. Merde, je suis ravi d'accueillir Le Pen. Islamiste. Il s l a m i s t e P-R-O-J-E-E-E-E-T. T-G. P-D-A.